Les faits sont là, l'enlisement de la crise sécuritaire risque d'ouvrir la porte à un autre front, celui de la violence intercommunautaire. Les appels à s'en prendre à un groupe ethnique laissent craindre une guerre civile au Burkina. Il est plus que temps de contribuer à déconstruire ces messages haineux diffusés via les réseaux sociaux qui polluent les esprits et sèment les graines de la division au sein du peuple burkinabé. Pour donc parler de ce thème, nous recevons pour vous, fidèles téléspectateurs, Napougba Julien Legma. Il est le chef de la collaboration policière à la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bonsoir. Bonsoir, Madame Diasso. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Nous disons également bonsoir à Fatou Sommé-So, qui est vice-présidente de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. Merci Madame, bonsoir. Bonsoir aux deux autres. Ouais. Et bonsoir à Olo Mathias Kambou, qui est assistant de recherche et doctorant en sciences de la population. Bonsoir Madame Diasso et bonsoir à la télévision Burkina Info, et puis bonsoir aux téléspectateurs, au peuple africain et singulièrement au peuple burkinabé. Alors le décor, il est campé, téléspectateurs. On parle de cohésion et de tolérance dans ce plateau. La toute première question, je la destine à Madame So. Alors comment est-ce que vous avez accueilli ces appels à la haine? Alors ces appels à haine ont été vraiment douloureux et désobligeant et frustrant. Parce que la haine, comme vous l'avez dit tout de suite, ça déconstruit, ça détruit, ça divise, et il n'y a rien de bon dans la haine. Oui. Alors, ce que nous, en tant qu'association, qui faisons la promotion de la liberté et de la tolérance religieuse, alors, nous nous battons pour que ces faits religieux, politiques ou sociaux puissent cesser d'ores et déjà. Alors, on ne souhaite pas l'imaginer, mais est-ce que ces messages haineux seraient le fruit d'un ressenti, d'un profond ressenti au sein de la population, ou est-ce qu'on peut l'attribuer à quelques individus? Olo Kambou. Merci, Madame Diasso. Avant peut-être de répondre à votre question, j'aimerais humblement m'incliner auprès de toutes les personnes en Afrique qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre de la haine et qui ont été plus victimes aussi d'une façon ou d'une autre des conséquences de l'appel au conflit interethnique, au conflit communautaire. Mes pensées et pieuses vont à l'endroit, évidemment, pour notre pays, pour toutes ces personnes qui sont stigmatisés et qui sont de fait victimes effectivement collatérales lors de cette situation que nous vivons. Nos pensées également vont à l'endroit de toutes ces personnes déplacées internes, de toutes ces forces de défense et de sécurité qui se battent sur le terrain et dont certains perdent la vie. Aux personnes qui, leurs corps défendants, sont aujourd'hui des volontaires de la patrie qui se battent sur le terrain. Et donc, toutes les victimes du terrorisme, parce que c'est le débat, ou du moins l'actualité terroriste qui fait renaître justement ce débat sur la stigmatisation et donc le repli identitaire. Pour revenir à votre question, ce que nous pouvons dire, c'est que ce qu'on doit rappeler avec insistance à notre communauté africaine, c'est de se replonger dans l'histoire. Parce que mine de rien, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Afrique est un tout, géographiquement, linguistiquement, ethniquement. Et nous sommes un ensemble et nous sommes un peuple qui vient d'une même origine. Et ce que nous disons ici, ce sont des rapports de travaux scientifiques, historiques, faits par Chekanta Diop, Joseph Kizerbo, Obenga, je peux en citer. Donc il faut se rappeler constamment que l'autre qu'on voit à travers peut-être un cliché ethnique, Lobi, Peul, Mossi, Wolof, Hausa, en réalité, nous avons une même souche historique. Et c'est ce rôle-là, en tant qu'acteurs qui avons la chance d'intervenir dans les médias publics, nous devons nous donner le devoir de passer ce message-là à nos populations, passer ce message-là à la communauté, pour que,
quand je regarde l'autre, que je sache que l'autre n'est pas autre, mais l'autre est un moi qui n'est pas moi. Et quand on a ça constamment à l'idée, le repli identitaire, malgré la difficulté dans laquelle nous sommes là, ne peut pas être une solution. Encore moins l'appel à la haine, l'appel à des attaques vers des communautés, l'appel à une épuration, parce que l'actualité que nous vivons, c'est de ça qu'il s'agit, les audios qui ont passé, mais qui sont effrayants, qui sont scandalisants, qui sont mais révoltants, qui à peine sont inhumains, parce que c'est inimaginable que des humains puissent appeler à l'épuration d'autres humains, quel qu'en soit le motif. On a vu pour le cas du Sud-Ouest, dans votre écrit, vous avez apprécié la diligence avec laquelle les autorités locales se sont saisies de l'affaire. En effet, oui, nous sommes très heureux de savoir que les autorités au niveau régional, notamment le gouverneur, aient pris l'affaire en main. Mais nous pensons qu'il faut aller encore plus loin, parce que le rôle de la justice est central dans le processus de la cohésion sociale et donc du destin commun qu'on veut construire en tant que peuple africain et singulièrement peuple burkinabé. La justice, justement, est le garant et doit veiller sur ces grandes questions-là, de sorte à ce que lorsqu'il y a un dérapage au niveau d'un individu ou d'une communauté ou d'un groupe d'individus, que ce soit la justice qui s'auto-saisit de façon systématique. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que nous devons nous-mêmes être, en tant qu'acteurs, mais en tant qu'institution, être proactifs sur les questions républicaines, singulièrement la question de la justice. Donc, en dehors de la réaction de l'autorité administrative au niveau sous-régional, nous attendons à ce que la justice s'auto-saisit de façon systématique. Elle n'ait pas besoin d'attendre à ce qu'un groupe d'individus s'en plaigne ou bien un groupe d'individus se révolte pour pouvoir s'auto-saisir. Dès lors qu'un individu pose un acte qui va à l'encontre de la cohésion sociale, qui va à l'encontre de nos valeurs communes comme nous avons et qui donc menace effectivement un groupe d'individus ou un individu, la justice doit pouvoir s'auto-saisir. Donc, nous, ce que nous attendons véritablement, c'est véritablement au niveau de la justice surtout saisie, qu'on puisse identifier dans un délai bref les auteurs de ces appels à la haine, de ces appels à l'épuration et les conduire devant les tribunaux, de sorte à ce que chaque Burkinabé que nous sommes là, sachant que nous avons des limites et que nous ne devons pas poser des actes attentatoires à la liberté individuelle ou collective, des actes attentatoires à justement la cohésion sociale. Alors merci donc pour cette analyse. Legma, il semble que vos services sont actuellement débordés parce que ce ne sont pas les premiers appels et il faut craindre que ce ne soit pas les derniers également. Actuellement, quelle est la situation au niveau de vos services, au niveau de la brigade de lutte contre la cybercriminalité? D'accord, merci. Il faut noter déjà que les questions de discours ou de contenu audio qui circulent et qui font appel donc à la violence ou sinon à l'incitation de la violence. Déjà, on peut retenir que ce sont des pratiques qui sont courantes, mais ces derniers temps, c'est devenu très récurrent. Parce que déjà, si vous notez, depuis 2019, il y avait déjà eu un étudiant qui avait lancé et qui avait fait une telle publication qui appelait voilà, justement à s'en prendre à une communauté. Et très rapidement, le procureur à son temps s'était surtout saisi de la question et des investigations avaient été menées. Très rapidement, il a été identifié et en son temps, il a écopé nécessairement d'une peine d'emprisonnement de 24 mois, voilà, ferme, avec une peine d'amende. Alors, également, si vous prenez en juin déjà, le porte-parole du gouvernement avait déjà fait sortir une note sur ces question d'audio incitatif donc à la violence sur les autres communautés. Et également, le 14 août, comme avec la note du gouverneur, effectivement, il y a eu encore une auto-saisine donc, au niveau des autorités qui permet déjà d'engager des actions en vue donc, d'identifier donc, ces personnes. Alors, au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, c'est avec l'actualité, vous aurez constaté que durant le mois de juillet, nous avions interpellé pratiquement 3 personnes. La première personne, bon, on va dire les 3 personnes, les discours tendaient vers la même chose. Et c'est toujours donc les questions de discrimination, les questions de haine, les questions d'incitation donc, à la violence sur des personnes. Je sais que l'actualité sur la personne de Newton Ahmed Barry, ça ne vous a pas échappé. Et effectivement, il y a une personne qui a lancé effectivement des propos comme ça, incitatifs donc, à la personne et à la violence sur sa personne et à la destruction
Voilà, tout à fait. Il a écopé d'une peine de 12 mois, donc 6 mois ferme, et donc une peine d'amende de 500 000 francs, qui montre que lorsque, effectivement, il y a des actions pareilles ou des comportements pareils qui donc s'écartent donc de ce que la loi a posé, nécessairement, il y a matière et urgence que des actions soient prises pour déjà résoudre. Alors, il faut noter que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a dans ses attributions cette possibilité de s'auto-saisir déjà de questions qui sont en lien déjà avec tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Et cela se passe également à travers notre service de cyberpatrouille et de veille technologique qui servent sur le net et qui constate tout ce qui est infraction, qui les rassemble et déjà nous pouvons ouvrir un dossier. Alors, et dire que nous sommes débordés, effectivement, il y a beaucoup d'infractions actuellement, mais nous pouvons vous rassurer que tout ce qui est dossier pour lesquels nous nous sommes déjà auto-saisis ou qui viennent déjà du parquet par rapport à des cas assez spécifiques, donc des investigations sont en cours et le dossier en question, voilà, dont les autorités se sont déjà saisies, des investigations sont en cours dans le but donc d'identifier et donc de faire répondre aux personnes donc qui ont été à l'origine donc de tels propos. Alors je reviens à vous Fatou So. Nous sommes actuellement dans une dynamique de promotion de la cohésion sociale, de promotion du vivre ensemble. Mais lorsqu'on voit au jour le jour ce qui se passe dans l'actualité nationale, on a l'impression que c'est ce qui est dit n'est pas ce qui est fait. Parce qu'on voit des structures qui se mettent en place pour combattre telle structure, alors que ces différentes structures semblent faire de la promotion à la cohésion sociale leur chemin, leur cheval de bataille. Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, il y a beaucoup de structures, effectivement, qui font la promotion de la tolérance, de la paix, la culture de la paix, la liberté, mais malheureusement, ces messages sont parfois contradictoires. Et il n'y a pas de coordination dans les actions. Et on se combat, il y a des rivalités. Et finalement, les résultats escomptés ne sont pas au bout de compte. Normalement, on devrait. Moi, je pense que il aurait fallu pour les autorités et l'administration d'avoir une stratégie de canaliser toutes ces personnes-là, toutes ces associations, la société civile, par domaine, les suivre, coordonner les actions et justement, s'il y a dérapage, s'il y a un abus, alors qu'on se saisisse et que et ces personnes soient en tout cas remises, je ne dirais pas, en tout cas qu'elles soient interpellées et même pourquoi pas et à un moment donné leur interdire en tout cas quelque chose. Et ce que je peux ajouter à ce niveau là, il va falloir aussi que ce que je sais dans le domaine surtout pour ce qui est du discours religieux, et c'est vrai que c'est un sujet sensible et voire un peu tabou, les gens n'en parlent pas beaucoup, parce tout simplement parce que c'est on connaît pas beaucoup les préceptes religieux sont peu connus, les personnes on connaît pas les religions, sa propre religion d'abord on la connaît pas, encore moins celle des autres, si bien que bon les propos sont vraiment insultants de fois et il y a de fois même des stéréotypes. Ces stéréotypes peuvent être raciaux, des stéréotypes religieux et même ethniques. Je nous apprends rien. Ce qui est aujourd'hui, ce qui est ethnique aujourd'hui. Bon, comme il l'a dit, il y a une certaine tendance, enfin, pas une tendance, les gens veulent qu'il y ait épuration au Faso. Le Faso, il est unique. Il a été toujours créé avec plusieurs ethnies. Et les ethnies se valent, équivalent. Et les cultures sont différentes, c'est vrai. Mais justement, c'est dans la diversité qu'on se comprend. C'est dans la diversité qu'on on est riche. Et c'est dans la diversité qu'on construit une nation. Mais malheureusement, les mêmes membres de la société civile donnent des propos contradictoires. D'aucuns veulent qu'il y ait épuration. D'aucuns veulent qu'il y ait promotion de la tolérance. Parce que quand même, il faut qu'on se tolère. Dès qu'ils veulent vraiment que,
Voilà, on s'affronte et c'est ce qui explique justement tous ces messages, des audios. Et c'est parce que aussi, comme le lieutenant l'a dit, bon, les gens maîtrisent maintenant la technologie de l'information et la communication. Ils rentrent dans les réseaux sociaux, ils balancent n'importe quoi. Bon, et malheureusement, j'ai l'impression que bon, s'il y avait censure, s'il y avait contrôle, peut-être que tous ces faits-là n'allaient pas se révéler sur les réseaux sociaux et même sur les zones des médias. Alors, sur la question de la censure, on va revenir vers lui pour plus de détails. Je vous passe la parole. Vous qualifiez la haine de soi comme une maladie. Une maladie qui n'est pas incurable. Oui, c'est une maladie pour nous qui n'est pas incurable. D'abord, c'est une maladie parce qu'être en mesure de voir l'autre, en fait, qui est une partie de soi, comme un adversaire, un ennemi, c'est déjà être dans une forme de défaillance cognitive qui nous empêche de voir l'autre comme soi-même. Et malheureusement, c'est ce qui se développe dans notre contexte. Et donc, ce regard sur l'autre-là se manifeste par une forme d'ethnicisme et de xénophobie, et qui pour nous, en fait, sont des déviances. Est-ce que cela ne s'explique pas les facteurs externes qui sont peut-être à l'origine de ces appréhensions? En effet, dans un contexte de difficultés, dans un contexte d'austérité, dans un contexte où effectivement on ne sait pas de griffe à quel sein se vouer, la tendance humaine est de partir d'aller vers des raccourcis. Et les raccourcis qu'on trouve, c'est d'accuser systématiquement l'autre. Même dans le cadre familial, quand ça ne va pas, bon, c'est l'autre qui est le problème, et c'est X qui est le problème. Donc, ça, ce sont des facilités. Mais en réalité, derrière ces facilités-là, c'est parce qu'on ne creuse pas très bien un peu notre socle commun. Et ce que nous disons, notre socle commun, c'est l'Afrique. Notre socle commun, c'est au plan linguistique, c'est au plan culturel, c'est au plan géographique, c'est au plan, je vais dire même... religieux, africain d'abord. Et donc, quand on se positionne au niveau africain, on considère que nous sommes africains, les différences apparentes que nous avons Je ne vous coupe pas, j'ai envie de dire que peut-être ce sont les personnes qui sont lettrées, qui ont peut-être cette hauteur d'esprit. Est-ce que ceux qui ne le sont pas peuvent aller dans cette dynamique de pensée? Malheureusement, c'est les plus lettrés parmi nous et ceux qui ont la prétention d'être des intellectuels souvent sont promoteurs de tels discours, haineux de tels discours tendant à promouvoir un peu le conflit intercommunautaire, le conflit ethnique, parce qu'ils sont en fait des référents, des repères pour nos communautés à la base. Et dès lors que ces gens-là leur adressent la parole, c'est souvent des vérités, c'est des évangiles que nos populations prennent, nos pays ont tendance à l'appliquer. Donc le problème, c'est moins même au niveau de masses que de l'élite intellectuelle, ou du moins ceux qui ont la prétention d'être des intellectuels. Donc nous pensons que dans notre démarche, c'est au niveau de l'élite intellectuelle qu'il y a une éducation réelle à faire. C'est vrai, au niveau de la base, on doit sensibiliser, mais ceux qui empoisonnent véritablement le milieu populaire, ceux qui exportent ces discours-là vers les populations, éloignées très souvent des masses médias pour pouvoir avoir d'autres sons de cloche, là, c'est souvent l'élite intellectuelle. Quand nous prenons par exemple le cas récent concernant les audios qui viennent du Sud-Ouest, vous remarquerez que ce n'est pas des gens anodins, c'est des gens qui ont un certain niveau et forcément... Ils s'expriment très bien. Non, c'est des intellectuels, en tout cas c'est des diplômés. Et donc c'est vers ces gens-là que le discours doit être porté. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est même... Souvent, des gens qui se contestent cette lettrée, mais qui sont des dangers pour la société parce que ils ont une éducation, une culture à moitié, ou du moins très pervertie, parce qu'ils n'ont pas eu la chance, ou bien, et avec peut-être des projets inavoués, veulent atteindre des objectifs donnés, donc veulent manipuler ces questions. Partout où il y a eu des différences comme ça, et des conflits interethniques communautaires, derrière, il y a toujours des leviers intellectuels, diplômés, qui manipulent ces choses pour atteindre des objectifs précis. Donc, avant d'arriver à la base, il faut d'abord nettoyer l'élite intellectuelle. Quand je dis nettoyer, c'est au plan vraiment de l'éducation, de la culture, de la connaissance de soi-même. Et nous les invitons, vous permettez, nous les invitons à lire Joseph Kizerbo.
Il a écrit « Regard sur la société africaine ». Il a écrit « Repères pour l'Afrique ». Quand vous lisez ces grands ouvrages-là, vous vous rendez compte que finalement, les différences apparentes qu'on a ne sont pas des différences parce qu'en réalité, nous avons une unicité linguistique, culturelle en tant qu'Africains. Nous avons une même souche de départ depuis la vallée du Nil vers les autres contrées. Quand je laisse Kizerbo, je me mets vers un gars comme Chekanta Diop. Il a développé ces grandes questions-là sur lesquelles l'Afrique doit se bâtir parce que nous sommes un même pas peuple. Quand je laisse tous ces aînés-là et je viens vers Théophile Obiang qui vit toujours, ils ont développé ces grandes questions. Donc souvent même l'élite intellectuelle est malheureusement à une défaillance en matière de culture sur ces questions de notre identité propre en tant qu'Africain. Et donc, je vais m'asseoir, je vais me dire, moi je suis Kambou, je suis lobby à la base, mais le lobby que je suis, quand je regarde les valeurs qu'il défend, les valeurs de la justice, les valeurs de la solidarité, les valeurs de la tolérance, mais ces valeurs-là sont transversales à toutes les communautés au Burkina Faso, en Afrique, et c'est ce qu'il faut promouvoir. Et malheureusement, l'élite intellectuelle, souvent pour des objectifs politiques, politiciens, manipule La masse, et on se trouve dans des situations dramatiques. Donc, il faut se liguer. Peu importe où on est, qui qu'on soit, il faut se liguer contre ces personnes. C'est pourquoi le rôle de la justice est central. Je suis très heureux de savoir que actuellement sur cette question des audios, là, il y a une enquête en cours. Cette enquête-là doit aboutir comme l'enquête sur la question Newton Amel Barry. Merci à Mathias Kambou. Alors, Julien Legma, nous revenons à la question de la censure. Est-ce qu'il est possible de censurer WhatsApp? Loin justement d'encourager la censure, est-ce qu'on peut réglementer WhatsApp? Ok, d'accord. Parce que c'est le réseau social sur lequel ces différents messages sont diffusés en grande masse. D'accord, pour parler de censure avant cela, il faut noter qu'en fait c'est le boom technologique s'est un peu imposé à la population burkinabé, si bien que très peu maîtrisent donc la portée ou on apprécie la portée de certaines actions que on pose à travers donc l'utilisation donc de ces technologies de l'information et de la communication. Parce que à la base, il faut dire que on n'a pas vraiment une culture donc sur l'éducation du numérique. Voilà, si bien que les gens les utilisent ainsi, et bon, très souvent pour les on trois personnes, le téléphone, voilà, c'est ça. On se renseigne comment est-ce qu'on l'utilise. On l'utilise, c'est tout. On crée un compte et on commence à l'utiliser. Mm-hmm. Quand vous voyez, par exemple, les trois personnes qu'on a eu à interpeller en juillet, quand vous, et lors des auditions, vous verrez que c'est des personnes qui, après les auditions, se disent ne pas avoir mesuré la portée de leurs propos. C'est bien que on pense que quand on est dans un groupe WhatsApp, c'est fermé uniquement à nous et on peut dire tout ce qu'on veut parce que je me retrouve chez moi et je n'ai qu'un téléphone, je ne parle pas devant quelqu'un dont je peux me cacher. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Il y a donc des outils qui permettent donc d'investiguer et de pouvoir vous identifier. Alors, censure. On peut censurer, mais ça peut être réglementé. On peut réglementer, déjà c'est réglementé peut-être qu'on ne le perçoit pas, mais il faut noter également que les plateformes sont des plateformes qui n'appartiennent pas forcément au Burkina Faso, qui sont hébergées à quelque part, sont la propriété d'autres personnes, mais que nous ne sommes que utilisateurs. Et vous voyez déjà qu'au niveau mondial, il y a tout ce qu'on appelle RGPD, le règlement général, voilà. Sur tous ces aspects, nous ne sommes qu'utilisateurs, si bien que au niveau Burkina, on peut prendre effectivement des mesures qui tendent à réglementer WhatsApp, sinon à censurer certaines choses. C'est bien possible. Mais également, c'est le travail profond à faire. Pour moi, ce n'est pas la censure par rapport à certaines choses, mais c'est comme il le dit, c'est un grand travail de base qui vise non seulement à conscientiser les gens, à les éduquer sur les bonnes manières d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et également cette culture de paix et de tolérance, que ce soit au niveau ethnique ou au niveau même de tous les Burkinabés. Sinon, nécessairement par rapport à ceux qui pensent également qu'on peut être tout juste derrière un écran, commettre des actes et penser qu'en fait on ne pourra pas remonter à vous, c'est vrai. Très souvent, au regard de comment ça s'est passé, ça peut être difficile, mais nous y arrivons toujours. Et il y a toujours des moyens techniques qui peuvent permettre d'investiguer et d'aboutir jusqu'à l'identification, voilà, de la personne qui a été à la base donc de ces propos ou de ces actions qui sont infractionnelles et
puni par la loi. Alors, elle reste toujours dans votre service. Ces différentes tâches que vous menez au quotidien ne sont pas sans difficulté, sans doute. Tout à fait. Bien évidemment, ce n'est pas sans difficulté parce que quand vous prenez un service aussi sérieux, vous saviez, et la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité reçoit en moyenne par année, chaque année, plus de 2000 plaintes liées donc à des faits de cybercriminalité. Et quand on prend au niveau préjudice, nous sommes en moyenne à plus d'un milliard de francs CFA en termes de PEP financière donc, que les populations voilà, enregistrent. Maintenant, de plus en plus, et nous avions également besoin, tout comme un service qui se veut, la question du budget n'est jamais suffisante. Donc, lorsque vous êtes un service et que vous aviez des objectifs, parce que actuellement la question c'est beaucoup sollicité en cette très sollicité parce que quand vous prenez au-delà des enquêtes que nous menons, nous appuyons tout ce qui est service de police et de gendarmerie dans le cadre de leurs enquêtes parce qu'ils peuvent nous requérir dans le cadre de leurs enquêtes au niveau parquet. Le parquet également nous envoie des soit transmis pour diligenter certaines questions sur certaines questions et nous si bien que très souvent le flux de travail il est assez grand, mais je pense qu'il y a déjà des mesures qui sont prises, voilà, que ce soit au niveau du gouvernement et également l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, de sorte que nous soyons dotés techniquement d'appareils voilà, de dernière génération qui puissent nous permettre d'aller très vite, parce qu'il y a également au niveau, il y a les ressources humaines, mais il y a aussi les ressources techniques qui doivent permettre d'aller très vite, comme on le dit, de sorte que lorsqu'il y a une situation, que très rapidement les moyens puissent être déployés, de sorte à... Pour que les fautifs soient appréhendés. Dans les meilleurs délais, surtout. Alors, au niveau de l'association pour la tolérance religieuse, le dialogue interreligieux, qu'est-ce qui est mené dans le sens de la promotion du vivre ensemble? Ok, merci madame. Nous avons entrepris au sein de l'association de mener des activités de sensibilisation sur le terrain. Et ces sensibilisations vont à l'endroit du groupe religieux et dans les établissements secondaires, au secteur informel, au niveau des responsables coutumiers aussi. Alors donc, depuis janvier, nous avons fait le tour d'un certain nombre de régions, la région du centre, la région du nord, du centre-nord, de l'est et du Sahel. Nous avons rencontré les leaders religieux, les leaders coutumiers et les élèves. Et pourquoi les élèves? Parce que il faut qu'on commence à cultiver l'esprit de paix, de tolérance et de la liberté au sein de nos enfants pour qu'ils grandissent avec et qu'eux aussi à leur tour puissent encadrer leurs petits frères qui sont avec eux. Alors donc dans chaque établissement nous avons mis en place des cellules de promotion la liberté, la tolérance religieuse et nous encourageons ces jeunes à faire pareil comme nous, c'est-à-dire faire des sensibilisations au niveau d'autres établissements et nous les appuyons. Alors, nous avons également, quand il y a un événement, un fait religieux par exemple, comme à Béguedo, et on s'est rendu là-bas, nous avons rencontré presque tous les leaders religieux, en tout cas des membres de la communauté, pour en savoir davantage et qu'est-ce qui a amené, en tout cas, ce problème, ces actes de vandalisme au niveau de Béguedo. Et nous avons compris qu'en réalité, c'était une méconnaissance, en tout cas de la sainte culture, au niveau voilà, des musulmans. Puisque c'était en tout cas une communauté, et c'est en l'occurrence les musulmans qui ont fait cela. Et je pense, et nous avons conclu que c'est parce qu'ils n'ont pas, ils connaissent pas, en tout cas une insuffisante connaissance de la religion musulmane, en tout cas à ce niveau-là. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas été suffisamment encadrés par leurs leaders religieux. Et je pense que quand il y a une action comme ça, il va falloir que les responsables religieux, en tout cas, prennent leurs responsabilités, encadrent, regardent ce qui doit être dit, et même, pourquoi pas, si ce n'est pas bon, si c'est bien analysé, ben, qu'on corrige, qu'on ramène, en tout cas, les discours, en tout cas, sur des préceptes, sur des bases républicaines, des bases morales, voilà, culturelles, pour que, en tout cas, le message puisse être diffusé au sein de la population
pour qu'il y ait entraide, solidarité et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est favorable à la cohésion sociale, à la paix et surtout à la sécurité. Alors, Olo Kambou, je reviens à guérir de la haine de soi. Je disais tantôt que vous estimez que c'est possible, si on le veut bien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que c'est possible. Il n'y a pas de maladie sans remède. Non, c'est bien possible pour peu qu'on puisse justement faire l'effort de faire corps avec les valeurs républicaines dont il vient de parler. Parce que c'est le défi en réalité. Comment est-ce que je ne regarde pas Vanessa, Madame Diasso, comme quelqu'un qui n'est pas de moi, indépendamment de son nom, indépendamment de la communauté d'origine d'où elle vient, indépendamment peut-être de la région d'où elle vient, mais je la vois en tant qu'Africaine avec qui j'ai une même origine, avec qui j'ai une même histoire, avec qui j'ai une même... Je partage tout en fait, plusieurs liens et avec qui géographiquement tout nous lie, par l'histoire et par la géographie et par la culture. Et malheureusement, peut-être par le fait de la colonisation, de l'esclavage et de tout ce qu'on a subi comme choc extérieur. L'Afrique, quand je dis « on », je parle de l'Afrique, on a eu tendance effectivement à croire que nous étions des petits enclos communautaires qui, peut-être de façon disparate, ont évolué, mais on ne voit pas ce lien historique commun qu'on avait. Donc c'est possible d'en guérir, il faut juste accepter de prendre le médicament. Prendre le médicament, c'est de comprendre déjà qu'effectivement on est même chose, que le lobby que je suis, le Dagara, le Mossé, le Peul, le Haoussa, le Gurunsi, nous sommes le même peuple africain. Et que quand on doit juger, quand on doit apprécier un fait, une situation posée par un acte, par un individu, on le juge pas en fonction de sa communauté, mais en fonction justement des valeurs communes que nous avons, de justice, de tolérance, des valeurs communes, du respect pour la dignité humaine, et de sorte à ce que quand un individu pose un groupe d'individus, nous ne pouvons pas être tentés par une représailles contre sa communauté sous prétexte fallacieux que sa communauté serait très nombreuse dans peut-être l'actualité, le terrorisme et autres. Donc c'est ça, voilà, guérir de la haine. Il faut guérir de cette ignorance historique que nous avons, qu'il faut guérir et guérir de cela, c'est aller vraiment à la source de la Mais connaissance. Est-ce que vous pensez que les différentes OSC qui sont au Burkina et même les gouvernants font assez dans le sens de déconstruire ces messages haineux? Oui, les OSC, au niveau OSC, il y a un travail qui est fait avec les moyens de bord pour déconstruire justement tous ces messages haineux, pour tenter de contribuer justement à la cohésion sociale à travers des sensibilisations, des messages. Mais au niveau institutionnel, il faut remarquer quand même que les 30 dernières années passées, parce que quand même, quand on apprécie la situation actuelle de notre pays, sur l'élan de discours haineux, ethnicistes là, il faut revenir en arrière il y a 30 ou 33 ans. Et en 87, en 80 et 87, au Burkina Faso, quand même, il y a eu un projet d'unité, un projet d'État-nation construit par le Conseil national de la Révolution dirigé par Thomas Sankara. Quand vous prenez le nom Burkina Faso, Burkina Faso en lui-même est une unité nationale. C'est Burkina en Moré, Burkinabé en Peul, Faso en Djoula, l'hymne national de Ditanie en Lobiri. Ça, c'est des projets d'État-nation qui a été déconstruit par l'État pendant 33 ans à travers le système Blaise. D'abord incarné par le régime CDP, ensuite le régime MPP, qui, les deux collés, et avec le régime actuel MPSR, constitue le système Blaise. Donc au niveau institutionnel étatique, il y a eu une grande insuffisance dans la promotion de l'État-nation dans notre pays ces 33 dernières années, en comparaison avec la période 83-87, où il y avait une volonté véritablement d'unir les Burkinabés à travers un même territoire, un projet commun qui est la patrie. Et je peux prendre des exemples assez simples. Regardez très bien au niveau peut-être de la fonction publique. Il fut un moment où on dit, désormais, vous passez le concours pour ce qui concerne par exemple l'enseignement et la santé, vous choisissez la région où vous voulez partir. Vous choisissez la région où vous voulez partir. Moi, je grandis à Gawa. J'ai fait mon école là-bas, j'ai mon BPC. J'ai fait le concours de l'enseignement. Je choisis Gawa. Ça veut dire que je suis né à Gawa, j'ai grandi au sud-ouest, j'ai fait toute ma carrière là-bas. Donc j'ai les chances réduites de croiser un autre Burkinabé d'une autre communauté que moi.
Donc, je peux être dans une situation où je pense que le Burkina Faso, c'est autour de ma communauté. Or, où les agents sont je vais en venir, justement. C'était une erreur. Je dis que ça a été une erreur, je sais de quoi, pourquoi j'ai dit cela. Or, avant cette période, quand même, où cette mesure ne soit prise, avant, par exemple, l'enseignement, quand je fais, j'ai fini mon concours, on peut m'affecter à Gorgadji. Donc, je quitte Péré, au sud-ouest, je m'en vais à Gorgadji. Je m'en vais retrouver de Burkina Faso là-bas, que je sais par le biais de l'État, ou du moins en tout cas à travers ma fonction, je suis là-bas. Et donc, j'hérite aussi d'une culture, d'une partie de Burkinabé qui sont là-bas. Et je partage quelque chose avec eux. Tout ça, ça a été des mesures qui n'ont pas contribué à favoriser justement la construction des États-nations. Et il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre, qui expliquent un peu la défaillance de l'institution, la défaillance de l'État. Et même l'actualité terroriste que nous vivons actuellement. Là. Au-delà de toutes les analyses, les argumentations qu'on peut convoquer pour analyser la situation terroriste, mais en vérité, de ce que nous pensons et avec le recul, nous pensons que c'est simplement la défaillance de l'État. Vous pensez que les terroristes ne veulent pas attaquer des pays comme la France ou les États-Unis ? Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, mais ils n'arrivent pas à le faire régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un État qui existe. Un État qui existe à travers une administration. Mmh. Un État qui existe à travers un appareil sécurité fiable. Un État qui existe à travers une communauté de destin entre les citoyens, qui a été construit sur la base de valeurs républicaines. Et ça, nous n'avons pas pu construire cela. Donc, pour revenir à votre question, au niveau étatique, il y a une grande défaillance qui s'est construite depuis 1987 à aujourd'hui. Mais au niveau communautaire, au niveau individuel, à travers les travaux des organisations de la société civile. Les choses sont faites avec les moyens de bord. Donc, le rôle et la mission et surtout le devoir de l'État, c'est de revenir à ces fondamentaux-là pour que nous puissions justement construire cet État-nation-là en faisant la promotion véritablement des valeurs républicaines, de la justice, de l'équité, de la tolérance, des valeurs républicaines, de la solidarité et des valeurs républicaines du vivre ensemble. Alors, dans un Julien État de justice. Legma, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Quels conseils donneriez-vous pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux pour éviter d'être l'acteur ou même l'agent qui partage ce type de message? D'accord, merci. Mais déjà, il faut noter que le premier conseil, c'est de savoir également que quand on est dans une nation, quand on est dans un pays, il y a des règles. Et il faut noter que par rapport à ces propos haineux, déjà, la loi prévoit à travers son article 322-4 que lorsque est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une peine à tout égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et dès lors que vous aviez établi ces gens d'écrit ou discours, vous les avez tenus et que c'est public, et qu'il en est résulté, par exemple, effectivement, la destruction du bien ou des violences sur des personnes, la peine d'emprisonnement évolue de 3 ans à 10 ans et la peine d'amende évolue de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Donc c'est déjà savoir que lorsque on se rend et on s'immisce dans ces actions et qu'on pose des actes qui incitent à la violence ou qui incitent à la discrimination ou qui provoquent donc ethnicisme, il faut noter que déjà vous allez subir la rigueur de la loi dès lors que les investigations sont faites et que vous êtes identifié. Alors deuxièmement, il faut noter que il faut faire preuve de tolérance dans l'utilisation donc de ces technologies et de l'information. Tout un chacun doit savoir que quel qu'en soit à partir de ma position, dès lors que j'utilise un outil technique, il faut savoir que vous êtes vous pouvez être identifié. Quels qu'en soient les types de propos que vous tenez et que vous résidez donc nécessairement dans ce territoire. Et il y a des unités spéciales, spécialisées, qui sont là pour faire ce travail-là, de sorte qu'on puisse effectivement déconstruire, parce que, comme on le dit, la brigade, au-delà de ses actions de répression, également font des actions de sensibilisation. Et je pense que ces types d'émissions également concourent donc à sensibiliser davantage l'ensemble des Burkinabés sur ces questions pour que tout un chacun ait une bonne connaissance, non seulement des textes du pays, mais également promouvoir des valeurs donc de paix, de tolérance, voilà, au sein de l'ensemble des Burkinabés. C'est ensemble qu'on y arrivera.
parce que accuser effectivement l'autre ne pourra pas résoudre le problème et toujours certaines questions, c'est pas forcément la répression. Oui, mais il y a un grand travail de sensibilisation à faire pour un changement de paradigme donc, au sein des populations. Est-ce que les personnes qui partagent ces messages peuvent également être inquiétées comme ceux qui en sont auteurs? Tout à fait, ils peuvent être inquiétés. Si vous prenez la définition des fausses informations qui a été libellée par la loi, et la fausse information, c'est déjà toute allégation ou imputation inexacte ou trompeuse d'un fait. Alors, dès lors que quelqu'un publie ce type d'information et que vous venez dans, que ce soit dans les cas d'incitation à la haine ou de fausses informations, dès lors que vous venez, vous aimez, vous partagez. Parce que les actions peuvent être dans le but de soutenir. C'est ça surtout. Quand c'est intentionnel, je prends l'exemple que on dit qu'il y a eu telle chose s'est déroulée. Voilà, à Burkina Info aujourd'hui, il y a eu telle émission. Ou que bon, il y a eu tel incident. Et vous venez en commentaire dire effectivement, voilà, j'étais à côté, j'ai vu et il y avait l'incident. Et vous-même, vous donnez des éléments qui concourent encore à rendre plus sérieux. Voilà, la fin, vous contribuez à désinformer les gens et à envenimer. Un exemple, quand quelqu'un vient publier et dit, il invite une communauté à s'en prendre à une autre. Et vous venez en commentaire dire, par exemple, que effectivement telle communauté est à la base de notre problème. Il faut effectivement les exterminer. Vous voyez que vous aviez commenté dans le sens de soutenir voilà, la publication et en la matière, nécessairement, que votre responsabilité pénale peut être engagée. Alors, on termine avec vous, Madame So. Quel message, justement, doit-on promouvoir pour apaiser les cœurs des Burkinabés, qui, il faut le reconnaître, ont beaucoup enduré depuis ces dernières années? Ok. Merci. Je dirais que le Burkina, c'est un pays, il est un et indivisible. Et il a fallu une diversité pour le construire. Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont nos aînés. Voilà, il nous a été offert avec tout le monde. Et nous allons le développer. Nous allons l'entretenir avec tout le monde. Et le message aussi que je voudrais ajouter, il va falloir que ceux qui sont déjà blessés par le fait de ces messages, par la discrimination, la stigmatisation et ces différents stéréotypes et que des messages, nous demandons aux autorités d'élaborer des messages et les membres de la société civile d'élaborer des messages qui pourraient apaiser les cœurs, les familles, les individus pour que, on ne peut pas oublier mais on peut pardonner certaines choses au moins que ces personnes-là puissent avoir en tout cas, un petit sommet quelque part, voilà, un peu de paix du cœur pour que nous puissions aller ensemble, en tout cas, pour un Burkina meilleur, un Burkina de paix, un Burkina de tolérance et surtout de liberté, et surtout de liberté religieuse. Alors, Mathias Kambou, votre message d'apaisement est très rapidement, s'il vous plaît. Merci. Et le message d'apaisement, c'est le message de tous les jours, qui est de travailler en sorte à ce que nous puissions ensemble contribuer à l'édification d'une nation forte où les individus justement ne sont pas jugés en fonction de leur appartenance supposée ou réelle à une famille, une communauté ou une religion qui serait responsable de notre épreuve que nous endurons. Et donc ce que nous devons faire, c'est de construire ensemble dans notre diversité apparente un pays où les individus incarnent véritablement les valeurs républicaines et où l'autre n'est pas autre parce que et il n'est pas de ma communauté entre griffes, mais il est de moi et je suis de lui, mais de nos différents espaces où nous vivons là, que le fautif tel qu'il est là soit seulement puni et que sa faute
qu'il commet ne soit pas reporté ou reporté sur sa communauté supposée ou réelle, ethnique, communautaire ou religieuse. Donc déjà, c'est de combattre ce discours, parce que le discours ambiant est stigmatisant, c'est ça qui contribue justement à pouvoir entretenir un peu ce message à la haine qui peut déboucher sur la guerre civile dans notre pays. Je touche du bois et par la grâce de Dieu, ça n'arrivera pas. Mais chacun de nous, en tant que quand même Burkinabé, citoyen africain et surtout de la culture africaine, de l'identité africaine, on doit se dire nous sommes même peuple africain et que c'est le fautif en notre sein qui doit être combattu et non des communautés qui doivent être combattues. De sorte à ce que si X ou Y proche de moi, ma famille, pose un acte, encore on ne reporte pas sur ma responsabilité directe et que ce soit la personne qui soit interpellée. Donc tous ces messages de haine, tous ces messages à l'appel à l'épuration, ce sont des messages à combattre, et pour la meilleure façon de les combattre, c'est certes la sensibilisation, c'est l'éducation à long terme, mais c'est aussi le rôle de l'institution publique à travers l'interpellation au niveau judiciaire pour véritablement amener la justice à jouer son rôle. Et nous, nous disons la multiplicité des ethnies en Afrique, comme l'a dit José Kizerbo, est une chance, est une opportunité pour la construction d'un État-nation. Et ça, quand nous rappelons ces travaux scientifiques-là, c'est à dessein pour ceux qui véhiculent ces messages. Parce que ceux qui véhiculent ces messages-là sont censés pouvoir mieux connaître ces travaux-là que les populations à la base. Et nous les invitons simplement, encore une fois de plus, à aller lire Nation Nègre et Culture de Chakanta Diop, à aller lire Regard sur la société africaine de Kizerbo, à aller lire Repère pour l'Afrique de Kizerbo, à aller lire Obenga, à aller lire tous les travaux scientifiques sur l'évolution du continent et du peuple noir, et pour comprendre que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas simplement une conviction que nous exprimons, mais c'est une conviction basée sur des travaux scientifiques en ce qui concerne l'unicité culturelle des peuples africains, indépendamment de ces différences apparentes-là. Nous sommes un même et unique peuple africain, et quand nous nous regardons en tant qu'Africains, nous allons justement éviter les erreurs tendant à dire inter... dans le passé. Non, les erreurs de repli communautaire, les erreurs d'accusation communautaire, donc les erreurs qui peuvent nous conduire vers des situations dramatiques. Merci à Mathias Olo. Merci à vous. Merci à Fatou Somé So. Et encore merci à Julien Legma. Nous sommes au terme de ces échanges. Nous allons poursuivre l'émission 100% Info avec la rubrique Ils ont dit. Il est question d'appels directs et actifs au meurtre, à des tueries de masse, à l'épuration ethnique et à la sédition. Le ton et les mots utilisés donnent froid au dos et témoignent de la gravité de la situation. Il s'agit bien de discours haineux, subversifs, dangereux et inacceptables dans un pays aussi riche et diversifié comme le Burkina Faso. Ils appellent de notre part une condamnation sans réserve et sans ambiguïté. En droit, il est établi que l'intention vaut l'acte. Je trouve ça très dommage. Nous sommes tous responsables de la paix et de la cohésion dans ce pays. Tous responsables. Alors, faut pas quand même inciter des conflits inutiles. On sait quand ça démarre, mais sait-on quand ça va s'arrêter? Vous donnez à quelqu'un un téléphone. Il a des mégas. S'il n'est pas bien sensibilisé, c'est de répercuter tout message qui passe, tout simplement. Donc, ceux qui s'asseyent pour dire que l'armée échoue, Damiba ne fait rien. Damiba, oui, il a pris le pouvoir, il a nommé des militaires. En bon, vous voulez qu'il nomme qui? Allez-y, dire. Ne fais pas coup d'état qui veut, mais qui peut. Vous savez, avant le coup de Damiba, combien de coups d'État étaient en gestation? Vous le savez, vous ne le savez pas. Mais Dieu a voulu que ce soit le groupe de Damiba. Celui qui dit que l'armée ne monte pas en puissance, déjà, c'est un soutien fort du terrorisme. Le gouvernement donc prend les dispositions pour sécuriser davantage donc les ouvrages donc sur les axes routiers. Parce que comme vous le savez, la stratégie des terroristes aujourd'hui, c'est donc d'isoler certaines localités donc pour y faire régner leurs lois, mais tout en empêchant également donc les forces de défense et de sécurité donc d'y accéder. Et donc, c'est pourquoi nous travaillons d'arrache-pied actuellement à prendre un certain nombre de dispositions pour permettre que les ouvrages donc soient davantage sécurisés. Non,
Le Parlement n'a pas à modifier, pour l'instant en tout cas, ce que nous savons, donc les dispositions législatives qui réglementent, qui organisent en fait la Haute Cour de justice. Elle existe. Le Parlement veut simplement relire son règlement de telle sorte qu'on dise comment est-ce qu'on désigne, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'ils vont prendre en charge aux côtés donc, des magistrats professionnels cette Haute Cour de justice qui existe et qui doit effectivement fonctionner. On se souvient de la déclaration publique de Bala Sakandé, le 22 septembre 2016, qui affirmait ceci. L'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 a été pensée et conduite par les forces politiques et patriotiques du Burkina Faso, dont le MPP a été le moteur. Si tel est le cas, alors les événements de 2014 s'apparentent au minimum à un complot contre la sûreté de l'État, voire un coup de force savamment orchestré. Notre justice ne peut pas rester indifférente à tout ceci. Allons-nous accepter de nous laisser distraire par cette frange de politique rétrograde ou bien allons-nous laisser le coude pour accompagner les autorités de la transition ? À gagner cette guerre et à réussir à remettre le Burkina Faso sur les rails. Le président Faso, son excellence, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été un peu plus clair dans ses propos, je cite, « La sauvegarde de la nation n'a pas de prix. » Le but n'est pas loin du front patriotique. Rosine Sori, l'ancienne ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, que parfois quand je regarde, je veux verser des larmes. Pourquoi ? D'abord, elle, quand elle arrive au Burkina, le salaire qui lui avait été proposé, elle l'avait refusé. Elle touchait plus de 8 millions par mois. Pendant ce temps, il y avait Solhan, il y avait Tanwalbougou. Aujourd'hui, c'est cette dame qui vient et qui nous dit Burkinabé est unis pour une transformation sociale. Quand ces gens-là n'ont plus rien à dire, on leur demande, ils n'ont qu'à se taire. Lorsqu'on ne parle pas, ça ne va pas pourrir la langue. L'air est grave par rapport à la nation. On est en train de perdre notre nation. Et aujourd'hui, ce n'est pas une responsabilité d'une seule personne. Ce n'est pas une responsabilité du président Damiba. Ce n'est pas la responsabilité seulement du Moro Naba ou de Bobo Mandare. Non, c'est une responsabilité de tous les Burkinabés. Aujourd'hui, s'ils pouvaient, si nos chefs pouvaient, depuis là, on n'allait plus entendre parler des questions de terrorisme. Mais aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ça dépasse souvent leurs forces. Et les Burkinabés sont préoccupés dans leurs intérêts, pour leurs intérêts, leurs courses habituelles. Et ils pensent que la question qui concerne l'insécurité, c'est une question des forces armées nationales, c'est une question des chefs d'État. Non,